Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, visiblement. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette rencontre qui va durer une heure et demie avec Malik Suarez. Une rencontre en deux temps. Un premier temps d'échange avec Malik Suarez. On va aussi vous présenter un certain nombre de petites vidéos pour faire découvrir le spectacle et sa démarche. Et puis, dans un second temps, on vous donnera la parole assez longuement pour que vous ayez le temps de poser toutes les questions que vous aurez envie de poser à Malik Suarez. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben merci à vous. Merci beaucoup. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes musicien, auteur, compositeur. Et en 2018, vous êtes lancé dans une aventure artistique, j'ai envie de dire ambitieuse, celle de construire un spectacle avec des enfants placés. Alors on va découvrir, on va prendre le temps de tirer le fil de votre démarche d'ici quelques instants. Mais avant ça, j'avais envie de vous demander... et on va notamment découvrir une petite vidéo. Comment était née cette envie? Quel était le point de départ de cette aventure? Alors, le point de départ de cette aventure, c'est quelques années de psy, on va dire, parce que j'ai été aussi un enfant placé. Et au fond, ça fait quelques années que j'ai ma compagnie et que je travaille dans mes propres créations sur des questions qui sont... pas très éloigné de l'enfance placée, l'errance, l'exclusion sociale. Et de fait, sur ce projet qui allait naître, j'ai voulu vraiment me confronter à ce passé que j'avais mis de côté depuis mes 18 ans. Voilà la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce projet. Alors pour poser le décor, je vous propose qu'on commence par une petite vidéo de présentation sur 3-4 minutes, qui va vous permettre de comprendre un peu aussi l'univers tout de suite, pour qu'on se mette tout de suite dans cet univers-là. Jour standard 2086. Rapport d'étape aversé au manifeste du vaisseau interstellaire Quasar. Cette mise à jour est automatique. Elle reprendra les aspects essentiels de notre parcours jusqu'ici. Toutes les informations données ici le sont sous la direction du capitaine de l'équipage. Quasar, c'est un spectacle avec des enfants placés. Une création pluridisciplinaire, à la fois intime, car j'ai été un de ces enfants, et collectif, car des enfants placés d'aujourd'hui participent à ce projet. Avec Quasar, j'ai souhaité refaire, avec mon regard d'artiste, l'expérience de cette réalité sociale qui perdure encore aujourd'hui. Alors pour initier ce projet, j'ai effectué un long travail de recherche. Il a démarré par des échanges avec des professionnels de l'aide à l'enfance et s'est poursuivi avec des chercheurs en sciences sociales. Nos échanges ont permis de mettre en évidence les différentes difficultés des enfants placés à s'intégrer dans la société, mais plus particulièrement à pouvoir s'exprimer et à être écoutés hors du contexte institutionnel dans lequel ils vivent. C'est pour cette raison que j'ai souhaité mettre mon expérience personnelle et artistique au service de la parole de ces enfants. J'ai créé la saison dernière un cycle de recherche pluridisciplinaire où les artistes réunis sur ce projet ont partagé des modes d'expression nouveaux avec les enfants. On a imaginé ensemble un arc narratif qui puisse permettre de faire émerger une parole simple et non contrainte. Pour votre information, tous ceux dans ce vaisseau, Quasar 1, nous sommes tous des humains. La narration du spectacle s'inscrit aussi dans les thèmes du genre science-fiction qui servent depuis longtemps de support narratif au récit du réel. Le théâtre, la musique, la danse et les arts numériques nous ont permis d'amener les enfants à nous raconter qui ils étaient. Et toi, Mayana, t'aimerais bien faire quoi comme métier plus tard? Moi-même. Toi-même, ok. Toi-même. Il s'agit maintenant, avec la création du spectacle, de montrer et faire entendre cette parole. Sur scène, nous serons 5 artistes et les enfants seront présents grâce au système de projection qu'on a développé. Il sera composé de plusieurs panneaux en tulle, mobiles, sur lesquels nous projetterons les images des enfants. Ce dispositif permet aussi aux artistes d'être intégrés dans les vidéos. Concernant la narration du spectacle, notre histoire démarre avec la découverte d'un vaisseau spatial par les enfants, une allégorie de leur foyer en quelque sorte. Ce vaisseau héberge en son sein une intelligence artificielle un peu particulière,
Elle est en quête d'une identité perdue. Avec l'aide des enfants, elle va chercher tout le long du spectacle à comprendre ce qui rend humain. Merci. Alors j'imagine que vous l'avez vue des centaines de fois cette vidéo, parce que vous avez dû la monter, vous avez dû la regarder, la projeter. Pour autant, qu'est-ce qu'on vous éprouvait comme ça en la revoyant aujourd'hui ? Toujours beaucoup de plaisir, et puis surtout d'entendre les réactions quand Mayana dit qu'elle veut être elle-même. Moi, ça me fait toujours beaucoup de bien. Voilà, c'est toujours beaucoup d'émotion, parce que cette vidéo-là, on l'a fait, je crois, pendant le confinement, il me semble. Donc c'était un moment pas particulier aussi. Et puis oui, c'est toujours chouette de revoir ses enfants. Ouais. Alors j'aimerais que l'on détricote ensemble un peu ce projet, les choix artistiques que vous avez faits, la manière dont vous l'avez écrit, pour bien qu'on comprenne le sens de votre démarche. Et pour ça, j'aimerais qu'on commence un peu par, j'ai envie de dire, par l'essentiel, hein, à savoir les enfants. Ils sont 16 à avoir participé à ce projet. D'où ils viennent ? Comment vous les avez rencontrés ? Alors, il y a 16 enfants qui ont participé au projet, mais dans le spectacle final, ils sont 11, parce qu'il y a des enfants qui ont quitté le projet. L'idée, c'était déjà que ce soit une démarche volontaire des enfants. Moi, j'avais un prérequis aussi avec les foyers, c'était que les enfants viennent tout juste d'être retirés à leurs parents, puisque c'est un moment qui est bien particulier pour eux. Ils arrivent dans des foyers d'urgence, qui sont pour des durées de 3-4 mois, voire 5-6, mais généralement ça excède rarement 6 mois. Et puis après, ils vont partir vers d'autres foyers, des familles d'accueil, où il y a une itinérance qui se fait qui est assez bouleversante pour eux, parce que, évidemment, de changer de foyer, ça veut dire changer d'école, ça veut dire changer de copains, ça veut dire manque de repères. Et quelque part, c'est un peu une forme de double peine, parce qu'ils ont quitté leurs parents, et puis d'un coup, il n'y a plus d'endroit dans l'espace et le temps où ils arrivent à avoir des repères. Et le projet devait durer 9 mois. Donc moi, ce que je voulais, c'était que justement ces enfants qui sont un peu transbahutés un peu partout puissent avoir un repère dans l'espace et le temps qui soit les ateliers CASA. Donc on a mis un système de transport en place, nous, notre association, avec l'aide de l'aide sociale à l'enfance. Et donc voilà. Voilà comment je les ai rencontrés. Après, il y a eu tout un travail qui a été assez long, puisqu'évidemment, il s'agit pas, on ne rentre pas dans un foyer ou dans l'aide sociale à l'enfance comme ça. Il a fallu rencontrer d'abord les éducateurs, leur expliquer le projet. En amont, j'avais rencontré la direction. J'ai rencontré aussi des élus du département des Yvelines. Et puis après, je suis allé rencontrer chaque enfant qui était volontaire, discuter avec eux du projet. Est-ce que ça les intéressait vraiment ? Ils ont pu participer. Et puis ceux qui avaient envie de quitter le projet, ils pouvaient néanmoins partir. C'était un peu ma question, c'est est-ce que c'est uniquement vous qui les avez choisis ou est-ce que eux aussi vous ont choisi ? Ah, c'est eux qui nous ont choisis aussi. Enfin, c'est une réciprocité évidemment que nous on propose. Les éducateurs voient des enfants qui potentiellement seraient intéressés et à qui justement ça pourrait faire du bien. Alors pour certains, ils n'étaient pas forcément intéressés, mais néanmoins, on voyait que ça aurait pu les aider dans l'expression et tout ça. Et effectivement, pour certains enfants, ça a permis d'avoir une meilleure expression, de pouvoir mieux communiquer avec les éducateurs. Donc oui, il y a cette réciprocité. Après, il y en a pour qui ça n'a pas marché. Et comme je leur expliquais, ce n'est pas très grave en fait. Voilà, c'est une proposition. Si à ce moment-là de leur vie, c'est pas là, c'est pas grave. Voilà. Il y a quelque chose qu'on se demande forcément quand on voit un processus comme celui-là, c'est quel a été leur rôle, leur place dans le projet ? Ils sont quoi ? Ils sont acteurs ? Ils sont auteurs ? Ils sont quelle est la place que vous aviez prévu de leur donner et quelle est la place qu'ils ont réellement prise ? Alors, au tout départ, ils sont plutôt là pour apprendre parce que, évidemment, on ne fait pas de l'art comme ça, il faut aussi transmettre. Nous, on leur a transmis quelque chose. Mais le projet, il s'est donc déroulé sur 9 mois. Il y a eu 3 mois où, globalement, on leur a transmis des pratiques artistiques, danse contemporaine, danse hip-hop, art numérique, théâtre, musique. Et après, avec cette petite boîte à outils, on a commencé à réfléchir tous ensemble à la narration du spectacle. Donc,
là, ils étaient clairement acteurs, auteurs même du spectacle. Alors avec tout ce que ça implique, parce qu'il y a un directeur artistique qui était moi, qui à un moment prend des décisions pour qu'on arrive à mener un projet. Il ne s'agit pas de juste les laisser dans un coin et dire « tu me trouves des idées » et puis voilà. Mais là, c'était quand même les intégrer là-dedans. Et puis au bout de les trois derniers mois, on a fait tout ce qui est capture vidéo pour le spectacle. Et donc, pour eux, ça faisait projet, évidemment, en plusieurs étapes. Et donc, ils étaient investis aussi d'aller jusqu'au bout de ce projet, parce que quand on commence d'abord à apprendre des choses, puis en second temps à proposer des choses, et puis qu'à la fin, ça se réalise, on va jusqu'au bout, généralement. Je propose qu'on regarde une seconde vidéo. Oui. Celle-ci, cette fois-ci, qui est issue d'un blog, que vous avez fait un blog vidéo. Oui. Donc, vous avez fait, il y a 5-6 épisodes au total de ce blog vidéo. Là, c'est le premier extrait qu'on va découvrir. C'est le tout premier blog qu'on a fait. En fait, on faisait un blog tous les un mois et demi à peu près, un genre de journal de bord du projet, qui est à côté, effectivement, du spectacle, quoi. Mais c'était plus pour rendre compte un peu de ce qu'on faisait dans les ateliers. Si on peut recouper à nouveau les lumières. Voilà, super. Voici la salle Quasar. La salle. Bonjour, je m'appelle Mayena. En fait, là-bas, c'est le jardin. Je vais juste ouvrir la porte. Je vous présente la cour. Le petit endroit de Quasar pour attendre et là, c'est toute la cour entière. Voilà. Comme une cour, mais c'est pas vraiment une cour. Mais voilà. Allez! Les flamants roses, ils ont un cristal qui le protège, qui le met dans un endroit secret ou qui a des pièges. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de mettre dans ce monde? Des oiseaux qui n'existent pas. L'a dit juste avant, c'est un projet pour les familles de théâtre, musique, danse et vidéo. Thank you.
là. Je rentre. La porte était comme ça. Là. Merci. Cette dimension pluridisciplinaire là qu'on voit bien, c'était aussi un des prérequis du projet. Oui, complètement, parce que, j'estime que il n'y a pas de raison qu'un enfant aime plus la musique. Enfin, comment dire, pourquoi ils aimeraient tous la musique, pourquoi ils aimeraient pas la danse, pourquoi on pourrait pas leur proposer d'autres choses. L'idée, c'était voilà, de leur offrir plusieurs pratiques, parce que. Si un jour ils n'ont pas envie de faire de la danse, ils peuvent quand même faire plus tard de la musique, ils peuvent faire des arts numériques. Et puis on était plusieurs intervenants à l'intérieur donc, du projet. Donc ça permettait toujours, s'il y en avait un des enfants ou une des enfants qui n'avait pas envie de participer, de pouvoir se dégager du temps sur un autre, d'autres choses. D'ailleurs, il n'y avait pas que ça. Un jour, une des petites n'avait pas du tout envie de participer à un atelier de théâtre et d'écriture. Et je savais qu'elle adorait le dessin. Il se trouve que j'ai fait du dessin technique quand j'étais plus jeune. Donc j'ai pris un temps avec elle. On a dessiné pendant une heure et demie juste pour faire du dessin technique. Elle ne savait pas faire des points de fuite, je lui ai appris. Et puis je crois que c'était une dimension plus large que simplement des pratiques artistiques aussi. C'était lié à une confiance pour que potentiellement on puisse leur faire faire de la musique, que potentiellement on puisse leur faire faire de la danse, mais aussi s'intéresser à leurs désirs aussi. En fait, l'idée, c'est à la fois de les écouter, mais aussi d'aller le plus possible vers ce dont nous, on a besoin pour faire un spectacle. Voilà. Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'est facile de travailler avec eux ? Alors, c'est compliqué comme question. C'est pas vraiment... C'est pas dur, parce que c'est pas l'usine, hein, faut quand même. Mais c'est pas facile, parce que c'est un public qui est abîmé. C'est des gamins qui vivent des choses qui sont compliquées. Et donc, parfois, on est un peu soumis à leur état. Ça arrive que les enfants, ils arrivent, ils n'aient pas vu, par exemple, leur maman. Ils arrivent, ils n'ont pas envie de faire un atelier de danse, et on peut les comprendre, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile, parce qu'il faut toujours être très à l'écoute et pas être... dans une posture justement de refus, de dire tu vas faire quand même de la danse ou tu... Non, c'est plutôt l'inverse là, c'est essayer de bien l'écouter, et puis nous on a essayé de mettre en place ça, parce que je connaissais la problématique pour l'avoir vécu, c'était vraiment de pouvoir être suffisamment nombreux avec ces enfants. Donc c'était des groupes de 8, un groupe de 8 à Rambouillet et un groupe de 8 à Mantes-la-Jolie. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, pardon. Je vais poursuivre un peu ma question, mais oui. Vous me donnez un peu, justement, quand vous étiez en train de décrire là, le nombre de personnes qui étaient là présentes, oui. Il y a quelque chose qu'on voit en creux dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'éducateur. Non. Il n'y a que des artistes, c'est ça. Et des enfants. Oui. Est-ce que c'est un choix délibéré? Et si oui, pourquoi? Complètement. Moi, j'avais imposé ça au foyer, parce que... D'une part, je voulais que les enfants sortent complètement du cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc l'idée, c'était aussi qu'ils viennent déjà dans un théâtre, qu'ils ne soient plus dans le foyer. Et puis, un éducateur qui va être là pendant ces ateliers, si je pars du principe que ce spectacle et ce projet doit favoriser la parole libre, un éducateur qui est à côté et qui même ne parlera pas, ça crée déjà un point où la parole ne peut pas être libre, parce qu'il se passe des choses dans les foyers, parce que plein de choses. Et en somme, le projet qu'on a mené avec Kazar, en amont de ça, j'ai donc fait pas mal de rencontres avec des sociologues pour comprendre un petit peu les problématiques que moi j'avais vécues étant enfant, et qu'est-ce qui résonnait justement, et ce qui était pluriel à tous les enfants placés, et tous disent qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été écoutés. Alors, ce qu'il y a de problématique, c'est que l'aide sociale à l'enfance fait tout pour mettre en place des cellules d'écoute, mais généralement elles sont faites avec un éducateur, avec un juge pour enfants, une famille d'accueil, et donc c'est pas du tout un espace neutre.
Donc moi, ce que je voulais, c'était pas proposer à l'enfant. Et puis surtout, nous, on vient pas du tout avec la même démarche qu'un professionnel de l'aide sociale à l'enfance. Lui, il attend quelque part des résultats. Moi, j'attends pas de résultats particuliers. Je veux juste favoriser un espace de parole, en fait. Et donc, pour favoriser l'espace de parole, il faut créer plusieurs conditions. Déjà, une condition neutre, un lieu neutre, donc un théâtre. Faut aussi avoir un projet. Autre que simplement demander à l'enfant comment ça va dans ta famille, comment tu vis ton placement, et puis surtout qu'il n'y ait pas d'éducateur et qu'il n'y ait aucune référence finalement au foyer. Si bien que les enfants, quand ils sont venus nous parler vraiment pour le spectacle de leur problématique familiale, c'est eux qui sont venus nous voir, c'est pas nous qui les avons sollicités, c'est eux qui sont venus nous dire on veut parler de ça aujourd'hui. Mais ça, c'était au bout de 6 mois où on se côtoyait eux et nous, quoi. Pour poursuivre encore cette question, vous étiez 5 artistes, c'est ça ? Oui, on était 5 artistes, oui. Durant toute cette aventure, est-ce que vous avez... On était même plus, était 6 à 7 à un moment, ouais. Est-ce que vous aviez, au préalable, réfléchi à votre posture vis-à-vis des enfants, ou c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure ? Est-ce que... Vous voyez, c'est ça un peu ma question, c'est la posture que vous aviez, quelle était cette posture ? Vous avez commencé à le décrire un peu, et est-ce que vous l'aviez conscientisée au préalable ou pas ? Non, pas vraiment, parce que... Des projets comme ceux-là, ça se prépare évidemment presque 9 mois avant le début des ateliers. Et puis d'un coup, tout se bouscule, tout va très vite, en fait. Donc, je n'ai pas vraiment conscientisé quoi que ce soit, en fait. Je dois avouer que j'étais un peu fébrile, parce que de retourner dans l'aide sociale à l'enfance quand on la fuit, parce que moi, je n'ai pas accepté le contrat jeune majeur, je ne voulais plus entendre parler de l'ASE, je voulais... changer tout ça, et puis de me mettre confronté à nouveau à ça, je dois avouer que je faisais pas trop le mariole au début. Et puis en fait, ça s'est très très bien passé, et avec les structures qui ont été partenaires du projet, et puis avec les enfants, complètement. Et pour finir un peu cette question-là, mais comment les enfants, eux, se sont positionnés par rapport à vous ? Comme un père PAIR. Parce qu'ils ont beaucoup de questions, en fait, à cet âge-là, d'autant plus qu'eux venaient tout juste d'être retirés à leurs parents, donc ils ont 7-8 ans, et que moi, je suis leur potentiel futur, en fait. Donc j'ai vécu jusqu'à 18 ans, et puis moi, j'ai été placé bébé, donc j'ai vraiment un parcours dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance qui est assez long. Donc, à la fois comme un porteur de projet, parce que c'est mon spectacle, qu'il y a des gens qui travaillent pour moi, évidemment, et puis aussi cette figure-là, puisque celui qui prenait du temps pour pouvoir parler avec eux quand ils n'allaient pas bien, c'était moi. Donc, il y avait cette... Et puis, ils étaient tout le temps collés à moi. Ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de vraiment de tendresse, pour le coup, c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'avais toujours 4 gamins qui étaient collés à mes bras, quoi. C'est pas facile pour bouger, mais... En préparant cette rencontre, j'ai lu un certain nombre d'articles qui ont été parus dans la presse. L'un d'entre eux, vous évoquez l'idée de bulle. Ces moments-là étaient aussi des moments un peu de bulle, un peu suspendus du temps. C'est ce que nous a fait comme retour l'un des foyers. Un des éducateurs me disait c'est dommage qu'on n'ait pas pu être associés, voir ce que vous avez fait et tout ça. Et puis la directrice qui était là a dit oui, mais quelque part, les enfants ne nous en parlaient pas non plus. Quand on allait les solliciter pour savoir ce qui se passait, ils ne voulaient pas en parler. Et donc, c'était vraiment une bulle bien particulière où ils se sentaient à l'aise, ils étaient super heureux de venir. Il n'y en a jamais un qui est... Enfin, en tous les cas, sur les 11 enfants qui sont restés sur le projet, il n'y en a pas un qui voulait pas venir ou qui traînait les pieds. Non, ils venaient tout le temps avec beaucoup d'envie, quoi. Voilà. Je propose qu'on découvre une dernière vidéo pour vous faire découvrir encore un peu plus le spectacle. Cette fois-ci, ce que je vous propose de regarder, c'est le teaser du spectacle. Pour plonger encore un peu plus dans l'univers, et puisqu'on va un peu dérouler le fil de cette histoire aussi. Les consciences humaines ont été greffées au corps robotique que vous possédez désormais.
Dans ce magnifique processus, quelque chose s'est malheureusement égaré. L'ambition de El Malik est simple. Il veut nous faire retrouver ce que nous avons perdu. Nos émotions humaines. Il a fait jadis un voyage en compagnie d'autres passagers, des enfants, pour développer les siennes. Il veut que nous fassions le même voyage. T'as tes parents ? Oui, je crois, mais je ne m'en souviens plus vraiment. Depuis quel âge tu ne les as pas vus, tes parents ? C'était il y a longtemps. Et toi, à quel âge as-tu quitté tes parents ? Ben, 6 ans. Silhouette, un gosse. Les cratères, lune, minuscule colossal, ignorant la fortune, les planètes bleues azur se déplacent sans un bruit. Il y a ce que l'on voit, il y a ce que je suis. De l'amour, je ne voudrais rien d'autre, peut-être un grand tour, hasard cosmonaute. Merci. On va un peu plonger dans le... On ne va pas tout raconter, bien évidemment, mais on va un peu plonger quand même dans le spectacle. Dans le spectacle. Vous l'expliquez dans la première vidéo de présentation, et on le découvre également là dans cet extrait. Ce spectacle, c'est notamment l'histoire d'une intelligence artificielle qui cherche à comprendre ce qui rend humain. Oui. Alors, bah, moi, il fallait quand même que je trouve un cadre narratif qui permette aux enfants quand même de nous parler dans le spectacle. Alors, il y a plusieurs contraintes. Il y a déjà le fait que les enfants ne peuvent pas vraiment être physiquement là. En tournée, évidemment, puisqu'ils ont quand même, ils sont sous la protection déjà de la protection de l'enfance, mais au-delà de ça, c'est des enfants et c'est pas forcément évident. Donc il y avait donc cette contrainte-là, donc du vidéo mapping pour qu'ils puissent apparaître, et puis après, dans le cadre narratif, il fallait quand même qu'il y ait une interaction entre eux et moi, puisque tous les ateliers, c'était beaucoup justement une discussion entre eux et moi, de toute façon. Donc cette intelligence artificielle, pour vous faire un peu le pitch, elle vient d'une autre planète. Il se trouve qu'elle a un peu le même parcours que ses enfants. Et au fil du spectacle, on se rend compte qu'elle a décidé, il y a très longtemps, de confier son cerveau, avant d'être une intelligence artificielle, de confier son cerveau à une entreprise qui va greffer sa conscience dans un vaisseau spatial qui va partir en quête d'autres humanités. Et il se trouve qu'elle n'a plus d'émotions. C'est aussi pour ça qu'elle ne voulait plus être un être humain ou en tous les cas quelque chose qui s'en rapproche, parce qu'elle trouvait que ça faisait trop souffrir. Et donc elle se pose sur cette planète qui est la Terre, et là les enfants rentrent dans le vaisseau. Et donc c'est par ce prisme-là que les enfants vont... à travers les émotions, parce qu'il va leur poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Qu'est-ce que c'est la tristesse ? Qu'est-ce que c'est la colère ? C'est à travers ce prisme-là qu'ils vont pouvoir nous parler d'eux, en fait. Donc voilà pourquoi j'ai choisi un peu ce thème de la science-fiction, parce que bon, la science-fiction, ça marche très bien pour raconter finalement des faits d'aujourd'hui, pour raconter un peu la vie de, oui, voilà, la vie d'aujourd'hui. Après, dans le spectacle, c'est un peu différent parce que ce que je viens de vous raconter, c'est un peu l'histoire qui s'est passée dans les ateliers avec les enfants. Après, sur scène, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon, vous ne viendrez pas voir le spectacle. mais voilà, c'est à peu près ça. Mais les artistes sur scène essayent d'apprendre des enfants. Parce que finalement, c'est eux qui vont essayer de leur expliquer ce que c'est tous ces sentiments-là. Alors sans le dévoiler, parce qu'effectivement, une de mes questions, c'était qu'est-ce qu'ils répondent à la question qu'est-ce qui rend humain. En tout cas, est-ce que vous avez été surpris de leur réponse ? Ce qui est toujours surprenant avec ces enfants, c'est leur maturité, parce qu'ils sont déjà dans un contexte où on leur demande de savoir se placer. Alors, ce qui est bizarre, parce que c'est des enfants placés, mais voilà, il faut qu'ils arrivent à comprendre socialement où ils se trouvent. Donc, il y a le juge pour enfants, il y a le foyer, il y a les parents adoptifs, ou pas adoptifs, mais les familles d'accueil.
Et donc c'est toujours très compliqué. Et puis ils ont beaucoup aussi de vocabulaire qu'ont pas les enfants de leur âge. Je vais à une audience, j'ai une visite médiatisée. En fait, on leur demande d'être très jeunes, très très conscients et très. Et puis aussi d'avoir un vocabulaire. Je veux dire, quand on se retrouve devant des adultes et qu'on a 8 ans, en fait, devant un parterre d'adultes, eh ben. Finalement, il faut quand même pouvoir s'exprimer correctement, et c'est ce qu'on nous demande en fait, parce que tout ça c'est noté. Donc ce qui a pu être effectivement très surprenant, c'est ça, c'est cette maturité chez ces enfants de pouvoir raconter leur propre histoire à partir du moment où il y a eu cette confiance évidemment qui a pu s'installer. C'est cette maturité chez eux qui est bouleversante souvent, ouais. Alors, ce qu'on découvre dans la vidéo que vous venez nous expliquer, c'est effectivement ils sont pas présents sur scène, en tout cas pas physiquement. On enlève la contrainte juridique, on enlève la contrainte légale. Est-ce que vous auriez souhaité qu'ils soient présents sur scène ou non, ça faisait pas partie de votre envie? Non, j'ai pas du tout construit le projet comme ça. Après, ça peut faire l'objet d'un autre projet, mais c'est un autre projet, parce que ça demande quand même d'autres. Une autre manière de penser, il faut que les enfants soient sur scène, il faut leur expliquer d'autres choses. L'avantage quand même d'avoir créé un spectacle où ils sont finalement sur fond vert et tout ça, il y a une certaine liberté. Et puis après, c'est surtout du montage, il y a des choses qu'on coupe, il y a des choses qu'on choisit, enfin il y a du dérochage qui est fait, et puis c'est peut-être plus facile. Mais néanmoins, pour faire un projet comme celui-là, c'est 4 ans. Donc si on doit avoir des enfants sur scène et tout ça, ça prend un temps aussi assez important, ouais. Comment il a été accueilli ce spectacle, à la fois par, j'ai envie de dire, comment il a été accueilli par le public, lambda, et comment il a été accueilli par les enfants? Par le public lambda, c'est toujours compliqué, parce que souvent les gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont aimé. Ceux qui n'ont pas aimé, ils s'en vont, généralement, ils ne nous le disent pas. Mais en tous les cas, a priori, ils ont été très touchés, parce que ce n'est pas simplement un spectacle sur l'enfance placée, c'est aussi un spectacle sur l'enfance, sur la parentalité, sur ce que sont les émotions humaines, et au fond ces enfants ils nous parlent de nous, en fait ils ne parlent pas juste d'eux, et c'est justement pour ça que je parle de cette maturité chez ces enfants. Parfois ça nous renvoie à notre propre enfance sans avoir forcément eu une enfance tragique, en fait. Mais la famille, c'est quelque chose de très compliqué. Dans toutes les familles, il ne s'agit pas juste des enfants placés. Je connais pas grand monde, en fait, où il n'y a pas des petits problèmes dans la famille. Et donc, on peut se retrouver tous à l'intérieur de ça. Et donc, c'est surtout les retours qu'on a pu nous faire. Et aussi, une autre chose, c'est que c'est quand même un public d'enfants qui est assez occulté. Il y a vraiment une espèce de chape de plomb sur ces enfants, et donc la majorité des publics ne savent même pas la différence entre un enfant qui est placé, un enfant qui est adopté, une pupille de la nation. Et donc c'est bien aussi pour ça, parce que généralement on fait des débats à la fin du spectacle, les enfants expliquent aussi ce que c'est que d'être placé, leur parcours de placement. Donc pour ça aussi, ça permet aussi d'expliquer, et puis d'être un peu moins dans le tragique que ce qu'on voit généralement dans les médias, dans les documentaires, qui sont importants aussi, hein, parce qu'il y a des dérives et qu'il faut les dénoncer. Mais nous, moi, j'ai pas voulu aller dans le misérabilisme, mais plutôt vers une forme de... un espèce de témoignage au monde de ces enfants, quoi. Voilà, qui ils sont. Et ma seconde question, c'était comment ça a été accueilli par les enfants eux-mêmes? Eh ben super, voilà, on a été ravis. Ils étaient super contents, parce qu'évidemment, quand on leur a proposé le projet il y a 3 ans, on leur dit il va y avoir un spectacle, du théâtre, un documentaire, des blogs vidéo et tout ça, et puis on leur dit une pièce de théâtre, donc eux ils pensent du Molière, enfin peut-être pas du Molière, mais en tous les cas ils s'imaginent du théâtre, et c'est pas du tout cette forme-là que nous on fait comme théâtre. Il y a de la vidéo, il y a de la danse hip-hop, il y a de la musique live, évidemment du théâtre, mais c'est beaucoup plus accessible en fait pour eux. Avec surtout ces nouveaux médias, et puis aussi ils se sont vus à l'intérieur, ils se sont vus là on les a vus au mois de juillet, au mois de juin, le 30 juin, quand on a joué la 7e du spectacle, et voilà, ils ont grandi déjà, donc ça faisait 2 ans qu'on les avait pas vus, et puis de voir que le projet qu'on leur a promis, on a respecté ce qu'on s'est dit, quoi, parce que les promesses dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance pour ces enfants, elles sont rarement tenues.
Et ça, c'était quelque chose, moi, que je voulais, voilà, je voulais pas lâcher, quoi. Donc, c'est notamment pour ça. Et puis voilà, leur retour était très bienveillant. Et puis je crois qu'ils ont été très surpris de la qualité du spectacle, vidéo, tout ça, toute cette esthétique, on va dire. Alors, une des questions, si on prend un peu de hauteur, que pose ce spectacle, c'est la question de l'accès à la culture. Oui. Pour ces enfants placés. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur l'institution et du coup sur la place de la culture, après avoir vécu ça? Là, j'entends, et j'imagine que le regard peut-être pas le même avant et après, d'ailleurs. Bien sûr. Je peux vous parler d'avant, déjà, parce que je voulais faire de la guitare très tôt. J'en ai pas eu une avant 15 ans, et c'est quelqu'un qui me l'a prêtée. Enfin, donc j'ai appris en autodidacte. Je voulais vraiment devenir musicien depuis l'âge de 5-6 ans, un truc comme ça. Et donc j'ai pas du tout pu bénéficier de culture, sport ou quoi que ce soit. Bon, on nous écoutait pas il y a encore 30 ans. C'était encore très différent d'aujourd'hui. Et j'ai été vraiment agréablement surpris par les foyers et les directrices de foyers que j'ai pu rencontrer, qui ont vraiment envie de faire évoluer la prise en charge de ces enfants, qui mettent en place plein de choses, pas simplement de la culture, mais maintenant il y a beaucoup de choses qui se font dans cette direction, du bien-être des enfants. Donc agréablement surpris, en fait. Après, ce que je pense aussi, c'est que c'est très difficile à monter un projet comme ça pour des compagnies professionnelles du spectacle vivant. Il se trouve que moi, j'ai été un enfant placé, donc je connais les codes de l'aide sociale à l'enfance. J'avais aussi une certaine légitimité à pouvoir déposer un dossier, à être écouté par les structures. J'ai été reçu par la directrice du département. On m'a vraiment aidé parce qu'ils ont vu que pour moi, c'était d'une part important, que les questions que je posais, elles étaient réelles et que pour le coup je les avais vraiment vécues et que j'avais cette légitimité à les poser. Après, pour d'autres compagnies, je crois que ça peut être très compliqué parce qu'il y a un nombre d'autorisations à avoir qui sont faramineuses, que c'est très compliqué de pouvoir rentrer même dans le foyer, d'avoir accès aux enfants. Donc pour ça, il y a encore beaucoup de chemin à faire, et que bon, Quasar, ça permet déjà au moins de se dire que c'est faisable. Après, qu'on puisse en tirer des enseignements et qu'on puisse améliorer, on va dire, la faisabilité de ce type de projet, ça serait super. Après, il y a une seconde chose aussi, c'est que les foyers sont en baisse de dotation assez permanente depuis ces 10-20 dernières années. Et donc, il n'y a pas forcément, de la part des éducateurs et de l'équipe du foyer, il y a une volonté de pouvoir permettre à l'enfant de faire une activité artistique, mais ils sont pas forcément très au fait de ce qui se fait à côté. Enfin, c'est pas leur travail, en fait, d'aller chercher sur des sites quel type d'atelier serait bien moins cher, ci et ça. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec Quasar, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est l'un des foyers, par exemple, à Mantes-la-Jolie, il était à 5 minutes du théâtre où on a travaillé. C'est un exemple que je vous donne qui est concret comme ça. Il y a un enfant qui voulait faire de la danse hip-hop. Ils ont trouvé un cours de danse hip-hop. Le cours de danse hip-hop était à 500 € ou 600 € et ça prenait quasiment la totalité du budget de la culture pour le foyer, d'une vingtaine d'enfants. Et il se trouve que le théâtre du collectif 12 faisait des cours hip-hop et qui sont soutenus par le département et la région et le ministère de la Culture pour des publics empêchés, et qu'en fait ça aurait fait baisser le prix à, je crois, à 35 € ou 40 €. Et c'est pas du tout du fait des éducateurs de pas avoir su ça, en fait. C'est aussi, je pense, aux entreprises culturelles de se rapprocher de ces publics-là pour créer des liens. Donc dans le cadre de Quasar, là, dans les représentations qu'on fait, moi je mets toujours maintenant une semaine d'atelier, donc je force un peu les structures qui nous accueillent à se mettre en contact avec des foyers, faire un atelier Quasar, et puis comme ça permet de créer un premier lien pour voir ce qui peut être fait avec d'autres ateliers, parce que toutes les structures, elles ont des ateliers, les vacances pour les enfants et tout ça. Voilà. Ça veut dire que il faut encore. C'est ça la question. Vous avez répondu en partie, mais ma question en regardant votre travail, c'était aussi de se poser la question, est-ce que c'était pour vous une manière aussi d'être militant et de dire il faut changer les pratiques? Est-ce que c'était un appel à changer les pratiques? Ah oui, 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 c'est un militantisme qui ne se le dit pas, mais oui, oui, il faut très clairement changer les pratiques.
Bah parce que notamment, il y a quand même un certain nombre d'études qui sont effarantes sur les enfants placés. Un SDF sur 4 en France, c'est un ancien enfant placé. C'est juste dramatique, alors qu'il y a 150 000 enfants placés environ. La quasi-totalité des enfants placés n'a pas accès à la culture, n'a pas accès aux études universitaires. Enfin, c'est une catastrophe. Et ces enfants sont censés être sous la charge de l'État. Donc ce qui pose problème aussi, c'est d'un point de vue plus général, c'est l'État qui retire des enfants à des parents qui sont censés être défaillants, et l'État est défaillant à cet endroit-là parce qu'elle ne donne pas les mêmes chances à ces enfants-là. Donc là, il y a un schisme qui n'est pas normal. Et donc, moi, je m'attaque à la culture parce que c'est le travail dans lequel je suis. Mais il y a plein d'autres endroits. Il y a évidemment... il y a plein de choses, en fait. Il y a effectivement les études, parce que la majorité vont être orientées vers des filières techniques pour qu'à 18 ans, ils puissent s'assumer tout seuls. Alors, il y a un contrat jeune majeur, mais qui est souvent très contraignant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas voulu le signer. Donc, voilà, c'est plein de problématiques qui font que oui, il faut repenser et réfléchir à ça. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même vraiment des structures qui vont dans ce sens-là. Après, il faut les aider. Elles ne peuvent pas être toutes seules comme ça. C'est pour ça que je dis que le champ culturel a aussi sa place pour amener ces enfants-là à pratiquer, à venir voir des spectacles. Parce que la culture, c'est ce qui permet de s'émanciper quand même d'une condition. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. On va arriver bientôt à la fin de la première partie de cette rencontre. Je vais vous donner la parole dans un instant. Il me restait juste deux questions. Une d'abord, si on devait résumer... L'enjeu, l'objectif ultime de votre démarche, c'était quoi ? C'était de donner la parole aux enfants ? Ah oui, complètement. Oui, c'est de donner la parole à ces enfants. Oui, oui, parce que, est-ce qu'on l'entend vraiment ? Je ne suis pas certain, non ? On ne l'entend pas, on l'entend pas beaucoup. Et puis surtout, c'était de donner la parole à ces enfants, pas comme on a tendance à l'entendre. C'est-à-dire qu'on leur donne la parole que quand il y a violence, quand il y a un drame, quand il y a des choses comme ça. Là, il ne s'agissait pas de ça. Il y a déjà eu drame. Déjà, c'est la cellule familiale est toxique, ils sont placés. Mais c'était plutôt leur permettre, encore une fois, de nous livrer leur témoignage. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant ? Alors, un enfant placé, certes, mais aussi, qu'est-ce que c'est qu'un enfant, quoi ? Et puis, ma deuxième question, c'est une question plus intime. C'est, vous l'avez dit, hein, c'est parti de quelque chose d'intime. Du coup, qu'est-ce que cette aventure-là vous a fait découvrir sur vous-même ? Plein de choses. C'est difficile à résumer, mais juste déjà de se dire... qu'il ne faut pas trop rester sur des a priori, même si ce n'est pas un a priori que je me suis construit bêtement. J'ai grandi dans l'aide sociale à l'enfance qui faisait partie de ma vie. Et donc, ça aurait été bête, finalement, de ne pas m'intéresser à cette problématique. Et quelque part, moi, ça m'a permis de régler des choses intimement sur la colère. Parce que quand on voit ces gosses et qui sont en colère contre le système, contre leurs parents, contre le monde, en fait, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être là, en fait. Hein. Ce n'est pas eux qui ont choisi ça, c'est l'aide sociale à l'enfance, parce que les parents sont défaillants, ce n'est pas à l'inverse. Là, je parle en plus de tout petit. Donc là-dessus, moi, ça m'a permis de re-questionner cette colère qu'il y a en moi, parce que justement, ce que je vous disais, toutes ces choses que je n'ai pas pu faire quand j'étais gosse, parce que j'étais dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, qui était censé me protéger, mais qui avait tendance aussi à me surprotéger, et pas toujours aux bons endroits. Ça m'a questionné là-dessus, ouais. De les voir parfois très en colère, et donc d'être obligé de les calmer, de les rassurer, de leur dire, bah, tu sais, le foyer, ça dure un temps, mais ce n'est pas toute ta vie, en fait, et ça ne va pas conditionner le reste. Et puis aussi, ça m'a fait du bien de me rendre compte que de pouvoir leur dire, tu vois, moi, je voulais devenir musicien, l'aide sociale à l'enfance, ils n'étaient pas d'accord. Ils m'ont fait faire un CAP d'électricien. Je n'ai pas eu mon CAP, mais je suis musicien aujourd'hui, directeur artistique d'une compagnie. Et donc, ce n'est pas parce qu'on te dit toute ta vie que tu seras ci ou ça, que c'est vrai. Il s'agit surtout de se dépasser, de croire en ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tous deviendront astronautes, mais déjà qu'ils arrêtent aussi d'avoir une image d'eux qui est extrêmement dénaturée, qui est assez triste, en fait, parce qu'ils ont parfois vraiment une image d'eux qui est assez terrible, quoi. Voilà.
Merci beaucoup déjà. Ben, merci à vous. Il y a des micros qui vont pouvoir circuler. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages, des choses, des questions à poser à Malik? Alors, il y avait déjà au fond, ouais. Il y a une... Attendez, il y a là. Ouais, tout au fond, voilà. Bonjour. Bonjour. J'avais une question, c'était par rapport justement, vous disiez qu'au départ il y avait 16 enfants et au final il n'y a que 11 enfants qui ont justement poursuivi ce projet. Et je voulais savoir, sur les 5 enfants qui sont partis, pourquoi ils n'ont pas été jusqu'à la fin? Est-ce que c'est à cause de la structure ou est-ce que... C'est par rapport à des problèmes personnels? Il y a différentes raisons. Il faut savoir que sur les 9 mois, enfin on va dire pendant les 2-3 premiers mois, il y a eu un espèce de turnover. Il y a ceux à qui on avait proposé, il y en avait qui n'étaient pas encore là, il y en a des nouveaux qui sont arrivés, il y en a qui sont partis. Et puis après, on a eu, on va dire, un noyau dur qui a plus bougé jusqu'à à partir de fin novembre jusqu'au mois de juin. Mais dans les 2 premiers mois, il y a eu ça parce que, à la fois, moi, j'avais rencontré des parents d'enfants qui participaient au projet pour leur expliquer le projet. Mais il y a des parents qui étaient... Parce que, encore une fois, là, c'était des enfants qui venaient tout juste d'être placés. Donc, ils avaient encore l'autorité parentale, les parents. Donc, il faut l'autorisation des parents pour faire le projet. Donc, pour certains, ça leur convenait pas, je pense. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Alors souvent c'est les enfants qui venaient me dire qu'effectivement ils ne voulaient plus faire le projet, mais je le voyais bien que c'était pas juste ça. Après il y a d'autres enfants qui avaient des problématiques. Il y en avait un justement, le petit jeune que vous entendez, Maxime, dans la deuxième vidéo, qui nous fait visiter la cour et tout ça. C'est un enfant qui était sous traitement antidépresseur à 12 ans, 11 ans. Donc il y avait des problèmes de comportement qui étaient assez terribles au sein du foyer et avec nous. Et donc moi je lui ai laissé plusieurs je lui ai proposé plusieurs fois, je lui ai dit écoute, si tu veux vraiment rester tu restes et tout ça, mais à un moment il faudra que tu fasses un choix, parce que si tu veux pas participer ou que tu fais juste l'imbécile ou que t'es pas bien, ça va pas être possible. Et après je suis allé voir aussi les éducatrices, je leur ai dit voilà, ce traitement qu'il a en plus, ça fait qu'il y a des moments, moi je sais même pas s'il est vraiment avec nous, il a les yeux qui partent et tout ça. Et encore une fois, moi je suis pas éducateur en fait, hein, et je voulais pas qu'il y ait d'éducateur et je voulais pas avoir ce rôle là. Évidemment que les enfants qui allaient pas très bien et tout ça, je prenais du temps pour eux, mais c'était un rapport un peu différent, c'était plus un rapport fraternel, on dira. Mais là, c'est quand même un gamin qui avait une problématique médicale en fait. Donc il y a un endroit où moi je savais pas forcément comment le gérer. Et puis à un moment, il m'a dit oui, si tu veux que je parte, je lui dis non. Par contre, je veux pas que tu partes. Je te demande si toi tu veux partir. Donc c'est lui qui est parti et donc il est parti quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, avant de poser ma question, je voulais vous féliciter parce que ça m'a beaucoup touchée, voilà, donc, à titre personnel. Voilà. Merci. Donc voilà, petit message d'humain à humain. Ensuite, je me demandais, est-ce que vis-à-vis de leur perception d'eux-mêmes, est-ce que vis-à-vis du spectacle, il y avait juste de la fierté collective, ou est-ce qu'individuellement, ils se percevaient différemment? Est-ce que vous parlez d'une vision très triste qu'ils avaient d'eux-mêmes? Donc finalement, est-ce qu'ils ont réussi à se donner des qualificatifs autres après ce spectacle, à se valoriser et à se redonner de la légitimité, etc. Oui, parce qu'il y a une évolution dans ce projet. C'est déjà, quand ils sont arrivés, la majorité était assez taiseux parce que
ils venaient de vivre un événement un peu particulier, ils venaient d'être retirés à leurs parents. D'un coup, il y a l'aide sociale à l'enfance qui débarque dans leur vie. Il y a plein de questions, il y a plein de gens autour d'eux. Et donc, nous, ils avaient sans doute un peu d'appréhension, en fait, qu'on soit un peu pareil que justement le foyer et tout ça. Et donc, on a des retours justement de directrices de structure qui nous ont très clairement dit que des enfants avaient formulé un désir, par exemple, de ne pas retourner chez des parents parce qu'ils étaient violentés, alors que 2 mois avant, ils n'arrivaient pas à formuler un seul mot. Donc ça, c'est par exemple juste sur la question de ce qu'on a pu leur apporter. Et puis là, on leur a montré le spectacle. Ils pensent tous que c'est des stars et je trouve ça super. Alors d'ailleurs, Quasar, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un quasar ou pas. C'est une étoile, exactement. C'est des étoiles qui sont très, très éloignées dans l'univers et qui ne sont pas en fait des étoiles au sens où ce n'est pas des soleils, c'est des galaxies très lumineuses. Et pour faire le parallèle avec les enfants placés, c'est que si vous, par exemple, vous étiez tous les enfants étaient des étoiles, globalement, les enfants placés seraient des quasars parce que pour voir un quasar et le dissocier d'une étoile, il faut un télescope, il faut s'intéresser vraiment à l'objet, quoi. Voilà. Donc, quelque part, c'est des quasars, c'est des étoiles, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que je peux poser une toute petite autre question? Merci. Du coup, je me disais aussi, avec les éducateurs, ils n'ont pas forcément de relation de transfert avec eux, parce que tous n'ont pas vécu le parcours similaire comme vous l'avez vécu. Et du coup, est-ce que c'était plus simple pour eux de se confier à vous, du fait du transfert qu'ils pouvaient faire, ou il n'y avait pas spécialement de lien qui créait On a eu des vrais échanges sur les enfants. Parce qu'ils savaient que vous aviez été aussi placé. Oui, et puis aussi parce que j'étais le porteur du projet aussi, et que on va dire que j'ai quand même montré patte blanche à pas mal de gens avant d'arriver devant les éducateurs, et que forcément ils savent très bien que c'est pas n'importe qui peut travailler avec des gosses placés, donc il y avait cette confiance quand même qui s'est fait parce que j'étais introduit par la directrice qui elle-même, j'avais déjà été introduit par la directrice du département des Yvelines et tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont pu me parler des problématiques des enfants à bâton rompu, on va dire. Enfin, en tous les cas, il n'y a pas eu de problème pour échanger. Et puis voilà, c'était dans le cadre du bien de l'enfant. Et après, c'est des discussions qu'on a un peu sur le tard, c'est-à-dire quand ils amènent les enfants, quand ils viennent les chercher. Donc on a eu des discussions en amont du projet, où je suis venu leur expliquer, où ils avaient des questions et auxquelles j'ai essayé de répondre le mieux possible. Et je continue à faire ça d'ailleurs. Demain, je pars à Bruxelles justement pour rencontrer encore des éducateurs et des enfants en foyer. Parce que je veux d'abord leur expliquer vraiment la démarche et s'il y a des questions et tout ça, c'est aussi ça, créer un lien de confiance. C'est pas juste avec les enfants, c'est aussi avec la structure aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Après, il y aura une question juste devant aussi. Donc, bonjour. Bonjour. Ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être posée. Je me demandais à quel moment, en fait, dans le projet, vous avez évoqué du coup votre parcours d'enfant placé. Est-ce que ça a fait une différence, en fait, dans la relation, que la façon dont les enfants pouvaient vous voir, vous percevoir, ou la relation de confiance qu'ils avaient avec vous? Oui, clairement, ça a complètement changé. Mais en fait, moi, je ne l'ai jamais vraiment caché. Dès le début, en fait, je leur ai expliqué pourquoi je faisais ce projet, parce que ça me tenait à cœur, parce que j'avais eu le même parcours qu'eux. Et ce qu'il y a d'assez troublant ou drôle, c'est que vu que moi, j'ai été placé nourrisson et que ma mère était aussi une enfant placée, donc je leur ai expliqué tout ça. En fait, quand ils n'allaient pas très bien et qu'ils s'embêtaient les uns les autres et qu'ils chouinaient un peu, eux-mêmes venaient s'auto-censurer en disant « Oui, enfin bon, lui, il a déjà vécu toute sa vie en plein foyer, ça va, calme-toi, c'est pas la peine de... » Et eux-mêmes, en fait, venaient voilà. Donc, il y a eu ce type d'échange, oui. Ok, et je me demandais du coup aussi si à un moment, il y a eu un déclic et vous êtes dit « Ça y est, avec tel enfant ou tout le groupe, la relation de confiance, elle est là. » Ah oui, complètement. Bah,
Pas que, d'ailleurs, il y a eu plusieurs déclics. Il y a effectivement une relation de confiance qui se crée sur le long terme, mais on va dire que c'est au moment où on commence à avoir des matières artistiques vraiment fortes, où il y a vraiment une écoute des enfants, un investissement, où on se dit, là, c'est bon, là, c'est parfait. Mais d'ailleurs, la première vidéo que vous avez vue, le blog numéro 1, c'est le premier jour d'atelier, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un gamin, Lisandro, qui danse. Voilà, la première fois que je l'ai vu danser, je me suis dit, mais comment se fait-il ? Et le chorégraphe qui est venu, qui est Christian Benahim, un chorégraphe très connu, et avec son frère et tout ça, ils étaient bluffés par ces gosses, quoi. Parfait, merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Déjà, félicitations pour votre projet. Merci. Et je me demandais si on souhaite voir ce spectacle, est-ce que vous allez vous nationaliser ou est-ce que vous allez rester vraiment dans les Yvelines ? Non, bien sûr. Bah, là, justement, on va le jouer cette année à Bruxelles. Et puis, on va essayer de la saison prochaine, parce que là, cette année, c'est un peu compliqué à cause du Covid. Il y a un embouteillage de spectacles dans les structures. Donc là, on travaille plutôt pour la saison prochaine. Je sais qu'on va avoir des dates déjà en Normandie, à Paris. Mais là, on commence à travailler pour la saison prochaine. Mais d'ici là, il y a Bruxelles, si vous aimez les frites, les moules, la bière, c'est chouette. Merci. Voilà. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez remarqué une différence entre... À votre époque, c'était la DAS. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, l'ASE. Est-ce qu'il y avait une grosse différence entre la structure, le système, etc. Ah oui, oui. En mieux. Ah oui, en mieux. Oui, bien sûr. Après, c'est compliqué parce que j'ai un regard différent puisque j'ai 38 ans. Je vois plus les choses. Je suis pas non plus à l'intérieur de l'ASE. Je suis plus un enfant placé aussi. C'est un peu compliqué quand on est à l'intérieur de pouvoir le juger et quand on en sort aussi de le rejuger aussi par ce prisme-là. Mais néanmoins, ce que je peux voir, c'est que à l'époque, il n'y avait pas forcément... Les travailleurs sociaux ne se posaient pas les questions que se posent les travailleurs sociaux d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas pour tous. Hein, il y a quand même beaucoup qui font comme ils font depuis longtemps et ils ne voient pas pourquoi on changerait. Mais néanmoins, j'ai vu beaucoup de gens qui sont très, très touchés. Et puis là, on a eu un article dans Libération. Et je reçois des mails de toute la France, de gens, d'éducateurs qui ont envie de faire venir le spectacle, qui ont envie de mettre ces pratiques-là. Donc, c'est qu'il y a un écho. Et donc, c'est indéniable qu'il y a une évolution. Ça, c'est sûr. Et plutôt dans le bon sens, donc pourvu que ça dure. Merci. Bonjour, bah oui, bravo pour ce projet également. Merci. Je voulais savoir, vous parlez beaucoup des éducateurs en tant que travailleur social. Mmh. Est-ce que vous avez aussi des liens avec des assistantes sociales ? Et c'est là que on n'a pas le bon rôle, c'est ça ? Alors, il se trouve que depuis Casar, j'ai été invité par des psychologues, des assistantes sociales à venir parler du projet, donc. Indéniablement, il y a quand même une envie de ça, mais non. Au départ, j'étais. Après, je pense que la directrice, elle était aussi. Les directrices étaient aussi des assistantes sociales plus que éducatrices. Mais de toute façon, c'est très nébuleux ça pour moi. Il y a la différence entre éducateur, assistante sociale, tout ça. Parfois, c'est très mélangé et selon les départements, en plus, ça change. J'ai appris par exemple que dans le 93, les éducateurs n'étaient pas du tout les mêmes éducateurs que dans les Yvelines. C'est des éducateurs qui placent des enfants dans des familles ou dans des foyers. Donc pour moi, ça, c'était pas un éducateur. L'éducateur, il travaille dans un foyer. Donc moi, j'ai envie de dire. Peu importe les travailleurs sociaux, certaines, c'est dans les structures, en tous les cas, qu'on a pu m'inviter. On sent qu'il y a un intérêt quand même particulier. Après, vous dire si c'était des assistantes sociales ou pas, je ne saurais pas. Merci. Merci à vous. Bonjour. Je tenais à vous féliciter déjà dans un premier temps pour le projet. Merci. Moi, ma question, c'était, est-ce que vous avez trouvé une évolution
entre la relation entre les enfants, entre le mois de novembre et le mois de juin, entre eux, la relation avec, avec ce spectacle, est-ce que ça a évolué entre eux au niveau des... Oui, oui, bien sûr. Alors, il se trouve que à Mantes-la-Jolie, il y avait deux foyers qui participaient, qui n'étaient pas très loin l'un de l'autre, mais les enfants ne se connaissaient pas. Donc, il y a évidemment quelque chose qui s'est noué entre ces enfants. Et puis voilà, il y a des enfants qui sont arrivés dans le projet. Donc chaque, par exemple, dans le vaisseau spatial, chacun avait une fonction. C'est ce qu'on avait défini. C'est pas toujours comme ça dans le spectacle, mais pour nous, c'était important qu'ils aient cette fonction-là. Il y avait un pilote, il y avait un chef, un commandant et tout ça. Il y a un des enfants qui est arrivé et qui globalement savait tout faire. Et puis au fil du projet, on s'est rendu compte que c'était un gamin qui s'empêchait beaucoup, en fait. Et au bout d'un moment, au début, il était commandant du vaisseau. Et puis à un moment, je lui ai dit, il était tellement angoissé, il pleurait, il n'arrivait plus. Et puis je lui ai dit, mais c'est pas grave, en fait. Tu ne veux pas être commandant, soit pilote, cuisinier, on s'en fout, en fait. C'est un spectacle. Et contrairement à ça, on avait une petite, Sydney, justement, cette jeune fille qui voulait rien faire au début et avec qui j'ai fait du dessin technique, qui a ce jour-là dit « Moi, je veux être commandante ». Je lui ai dit « Attention, tu veux être commandante ? C'est pas rien non plus quand même, t'es commandante ». Et en fait, elle l'a fait. Donc simplement pour dire que cette confiance qu'on a mis en place, ça a aussi permis à ces enfants d'évoluer. Ils ont jamais eu le même rôle. On essayait toujours un peu de faire tourner ces rôles-là, mais c'était sur leurs envies, en fait. Et donc, grâce à ça, on a vu cette évolution. Et puis, une fraternité entre eux aussi, qui était assez, assez belle. Ouais. Qui n'était pas forcément au début, évidemment, ils ne se connaissaient pas, mais après, oui. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Là, vous êtes devant. Où pardon. Merci. Cazard. Merci. Je voulais savoir, moi, quelle relation vous avez eue avec les parents, parce qu'on parle quand même alors vous avez eu l'autorisation effectivement des parents, mais on pointe quand même du doigt les parents défaillants. Et du coup, entre le début du placement des parents, ça peut être aussi très compliqué pour ces parents, et d'autant plus d'être montré du doigt par les enfants placés, les parents défaillants. Quelle relation vous avez pu avoir avec les parents et quelle réaction ils ont eue? Alors, il se trouve que j'ai pas rencontré tous les parents. Parce que j'ai pas pu, en fait, parce que certains sont pas venus, ou voilà. Mais néanmoins, la rencontre qu'on avait fait avant le début du projet, c'était constructif. Après, eux, ils sont effectivement dans une posture assez victimaire. Pour eux, c'est pas normal qu'on ait retiré les enfants. Ils ont envie de voir leurs gosses. Ils comprennent pas et tout ça. Et puis, il y a cette appréhension, justement, de passer pour les méchants, en fait. Et donc, moi, je les ai simplement rassurés pour leur dire, voilà, c'est ce que j'essaye de faire, ce n'est pas un procès ni un tribunal pour vous. C'est de laisser de la parole à vos enfants. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est pas, il ne s'agit pas de leur dire qu'est-ce qui t'a fait de mal, ton papa ou ta maman. C'était bien l'inverse, quoi. Donc, certains ont compris, d'autres, je ne pense pas. Ça dépend aussi des cas. Je veux dire, c'est très compliqué, quoi. Ouais, c'est pas simple. Ça n'a pas été simple du tout. Et puis, on a des profils de parents, en fait, qui sont très divers. On croirait que c'est souvent des gens qui viennent plutôt des classes populaires, et en fait, pas du tout. Ça va des classes très aisées aux classes moyennes, supérieures. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas la même manière d'appréhender le placement. Pour vous dire, il y a des parents, c'était des policiers. Et leurs enfants étaient placés, voilà. Donc pour violence et tout ça. Donc ça dépend. Autant vous dire que les policiers, j'ai vu la maman, j'ai pas vu le papa, enfin, et puis je les ai pas revus, quoi. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Bravo, c'est un super projet. Je suis désolée, j'ai plus de voix, mais pas de souci. C'est un super projet et vous m'avez vraiment donné envie de voir le spectacle. Merci. Donc super coup de com' aussi. On voulait savoir si vous étiez toujours en lien avec les enfants que vous aviez accompagnés sur ce projet, qui vous avez accompagné sur ce projet. Oui, en partie. Alors là, on les a tous revus le 30 juin pour leur montrer le spectacle.
Et puis là, on envisage de les revoir parce qu'il y a une journaliste du Monde ado qui aimerait faire un reportage sur Quasar et j'aimerais bien que, enfin, elle aimerait bien pouvoir parler, que les enfants puissent s'exprimer et tout ça. Donc on va remettre en place un genre d'atelier, une rencontre avec eux. Et puis de toute façon, on n'a pas arrêté de les appeler, de les voir. Après, pour certains, ils sont partis un peu loin. Donc c'est pas forcément évident. Et puis là, ne serait-ce que pour les faire venir au spectacle le 30 juin, je m'y suis pris un mois et demi avant, quoi. Et genre le 29, j'étais toujours pas sûr qu'ils viennent, le 29 juin. Donc faut toujours avoir un peu de temps devant soi, faut anticiper les choses. Donc c'est pareil, la journaliste du Monde, je lui dis pas avant janvier, voilà. Et donc voilà, on va essayer de continuer à les voir, de poursuivre ça. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour je ferai un Quasar 2. Avec les enfants devenus adultes, par exemple, ça pourrait être chouette. Et ben justement, j'avais une deuxième question sur sur ce sujet. Est-ce que le sujet, alors déjà, est-ce que c'était votre premier projet avec des enfants placés? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Et est-ce que du coup, l'expérience était enrichissante et vous avez envie de refaire un Quasar 2 ou un autre projet avec le même public? En fait, j'aimerais bien que Quasar, ça soit une trilogie, mais qui s'étende sur 10-15 ans. Parce que là, prochainement, je ne vais pas faire un spectacle sur les enfants placés. Je vais plutôt faire un truc un peu plus léger maintenant. Enfin, je vais me reposer un peu, je veux dire. Et puis changer aussi d'air, quoi. Mais j'aimerais bien, oui, continuer à travailler, mais avec eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va continuer les ateliers avec eux. Mais une nouvelle création, j'aimerais bien un projet sur le temps avec ces... Des gamins qu'on a suivis de 7 ans jusqu'à 18, 20, 30, je ne sais pas, pourquoi pas. Et qui retrouvent d'autres enfants placés. Retrouveraient d'autres enfants placés. Et puis la narration du spectacle, elle permet aussi ça, parce qu'on est parti un peu dans l'univers, on les a laissés sur une autre planète. Enfin, il y a plein de choses à l'intérieur qui peuvent permettre cette chose-là. Et d'ailleurs, les enfants ont participé 2 ans plus tard à l'enregistrement d'un message. Donc 2 ans, ils sont 2 ans plus vieux. Et pour la fin du spectacle, je vous en révèle pas plus, mais ils interviennent à la fin pour nous expliquer d'autres choses et tout ça. Donc oui, j'ai envie de ça. Mais voilà, comme je le dis, c'est dans 4, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, quoi. Bah, faut pas trop tarder pour nous montrer le spectacle, par contre. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais terminer avec une dernière question toute simple pour conclure cette jolie rencontre. C'est, les uns et les autres l'ont un peu posé, mais vous personnellement, c'est quoi la suite? J'ai cru comprendre que cette rencontre-là avait aussi fait naître une possibilité d'un livre qui va bientôt voir le jour. Oui, en fait, on m'a proposé, c'est une journaliste qui m'a proposé d'écrire un livre chez Actes Sud Junior, et donc qui raconte mon parcours d'enfant placé, de ma naissance à mon parcours de musicien. Et j'ai trouvé ça intéressant de le faire parce que les enfants, en fait, ils avaient plein de questions à me poser, donc... Donc j'ai pas pu tout leur raconter évidemment en détail, mais je me dis si ça peut servir, voilà, à ces gosses qui parfois se posent plein de questions et de se dire que là c'est un parcours singulier. Il s'agit pas dans le livre de choses tragiques, mais aussi d'expliquer aussi comment on essaye de se sortir de ces choses qui parfois nous empêchent. Hein. Ça n'a pas toujours été drôle ou quoi que ce soit, mais de leur dire voilà, parfois c'est peut-être pas drôle, mais on peut quand même arriver à faire ce qu'on a envie. Quoi. Voilà. Il sort quand? En mars 2022. Chez Actes Sud Junior. Chez Actes Sud Junior, oui. Merci beaucoup, Malik Suarez. Merci à vous. Merci. Et merci à vous d'être venus si nombreux.